Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et nous acclamons pour la gloire de notre Dieu? Nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu merveilleux, nous avons un Dieu capable. Que cet après-midi bien-aimé, il a bien fait de venir dans sa présence. Il est ici lui-même et il va nous parler parce qu'il connaît nos désirs. Il connaît nos besoins. He knows our needs. Il connaît aussi son plan pour nous. He also knows his plan for et us. Il veille à l'accomplissement de cela. And he watches for the accomplishment, the fulfillment of that. Amen, amen. Amen. Prions. Let's pray. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Father, we want to thank you. Nous voulons te rendre grâce. We want to thank you. Pour ces moments que tu nous accordes. For these moments that you've given us. De venir dans ta présence. To come in your presence. De t'écouter. To listen to you. Et de recevoir quelque chose and de toi. To receive something from you. Savons que tu es bon et plus que les pères de ce monde. We know that you are wonderful more than the fathers of this world. Tu nous accordes toujours des bonnes choses. You always give us good things. Nous prions pour que la parole d'aujourd'hui. We pray so that today's word. Soit une bonne nouvelle. Be a good news. Une bonne nouvelle pour quelqu'un. Good news for someone. Une bonne nouvelle pour celui qui nous écoutera. Good news for someone who will listen to us. Peu importe là où il sera. No matter where they may be. Ici dans l'assemblée. Here in the building. Ou dans sa maison. Or somewhere at home. À travers les réseaux sociaux. Through social media. Qu'il soit visité. May they be visited. Éternel Dieu d'Israël. The Lord God of Israel. Parle Seigneur à ton peuple. Speak to your people. Que nous disparissions. So that you may disappear. Et que toi seul tu apparaisses. So that you may appear. Que cette assemblée soit couverte par le sang de Jésus. So that this assembly may cover by the blood of Jesus. Et que ton esprit prenne le contrôle. So that your spirit can take over. Et ton esprit nous révèle ta volonté. So that your spirit may reveal to us your will. Nous révèle ta pensée. Reveal to us your thoughts. Nous révèle ton plan. May reveal to us your plan. Pour nos vies. For our lives. Pour nos familles. For our families. Pour notre église. For our church. Et pour les nations. And for the nations. Afin que nous puissions nous rapprocher so encore de toi. So that we can come closer to you. Et de bénéficier. And to benefit. De ton plan merveilleux dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Vous pouvez vous mettre au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. May the Lord bless you once more. Parce que vous avez fait les bons choix. Because you made the right choice. De venir dans sa présence. To come into his presence. Et avant de commencer, je voudrais. I want it. Rendre grâce à Dieu to give thanks to God pour cette opportunité qu'il m'a encore donnée. For the opportunity that he has given son me choix again. Porté sur moi. His choice was upon la me. Force, la vie, la bonne santé qu'il m'a donnée. The strength, the good health that he has given me. Et de m'avoir placé devant son peuple. And to have placed me in front of his people. Pour parler de sa part. To speak on his behalf. Je voudrais aussi réitérer mes remerciements à mon papa, le docteur Steve. I wanted to reiterate my thanks to my father, Dr. Steve. Il n'est pas encore là. He's not here yet. Parce qu'il est aussi dans une mission. Because he's also in a mission. De la part du Seigneur. From the Lord. Que le Seigneur continue à les bénir et à les utiliser puissamment. To bless him and use him powerfully. Pour la confiance qu'il continue à nous donner. For the trust that he continues to put on us. Merci à tous les serviteurs. Thanks to all the servants. Merci à toute l'assemblée. Thanks to the entire assembly. Pour ces moments que vous êtes là. For these moments that you've chosen to be here. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Comme vous le savez. As you know. Au début de cette année, at the beginning of this year, l'homme de Dieu nous a déclaré la pensée de Dieu pour nos vies, pour nos familles et pour l'église. The man of God spoke to us on the thought of God for our lives, for our church and our families. Et il a dit que l'Éternel a décidé. He said that the Lord has decided. Et cette année est une année de restauration. So this year is a year of restoration. L'Éternel veut restaurer nos vies. The Lord wants to restore L'Éternel our lives. Veut restaurer nos familles. The Lord wants to restore Il our families. Il veut restaurer nos maisons. He wants to restore our Il homes. Veut restaurer nos projets. He wants to restore Il our projects. Il veut restaurer nos santé. He wants to restore our Il health. Il veut restaurer nos nations. He wants to restore our nations. Amen, amen. Amen. C'est Dieu là qui a dit. This is God who said. Et il est fidèle. And he is faithful. Pour accomplir cela. To accomplish it. Et aujourd'hui, l'Éternel m'envoie dire à quelqu'un. Today the Lord sends me to tell someone. Qu'il est le Dieu qui est capable d'accomplir sa parole. That he is the God who is able to accomplish his word. Voilà pourquoi pendant ces deux dimanches que je vais parler. That's why for the next two Sundays that I'm going to speak. Nous allons partager un thème ensemble. We are going to share a theme together. Que j'intitule that I call les deux moyens pour activer la visitation divine.
The two ways to activate divine visitation. Les deux moyens pour activer la visitation divine. Two ways to activate divine. Bien aimé, laisse-moi vous dire c'est quoi une visitation ou une ou le verbe visiter. Allow me to explain you what the word visitation or to visit means. Visiter, c'est le fait de se rendre auprès de quelqu'un. Visiting means going close to someone. Pour l'assister. To assist them. Pour les soigner. To heal them. Pour apporter un secours à quelqu'un. To bring a rescue to them. Et le Dieu de la Bible, le Dieu que nous servons, the God of the Bible, the God that we serve, est un Dieu de visitation, bien-aimé. Depuis la Genèse, from the Genesis, nous voyons que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, we see that when God created man, il n'a pas abandonné l'homme seul. He did not leave man alone. La Bible dit que de temps en temps, chaque soir, Dieu revenait pour visiter l'homme. The Bible said that time to time, every evening, God came to visit man. Et la visitation divine, bien-aimé, and the divine visitation, c'est quelque chose que nous devons toujours désirer. It's something that we must always parce que lorsque desire. Dieu visite quelqu'un, because when God visits Dieu someone, apporte la bénédiction. God brings a blessing. Dieu apporte la délivrance. God brings deliverance. Dieu apporte la restauration. God brings restoration. Quand nous sommes en train de parler d'une année de restauration, as we are speaking about the year of restoration, en quelque sorte, l'église de la réconciliation, in other ways, the church of reconciliation, l'Éternel est en train de nous aviser. The Lord is going to is setting his eye on us. Et je vais vous visiter. He is telling us that he's je going vais to visit vous visiter us. He's going to visit parce qu'il est le Dieu qui connaît nos vies. Because he's the God who knows our lives. Il est le Dieu qui connaît nos problèmes. He's the God who knows our problems. Il est le Dieu qui connaît nos difficultés. He's the God who knows our difficulties. Et lorsqu'il vient pour nous visiter, and when he comes to visit il us, ne va pas nous laisser seuls. He's not going to leave us il ne va pas nous laisser tels que nous he's étions. Not going to leave us as we parce were. Que tout celui qui rencontre ce Dieu-là everyone who meets ne God peut pas demeurer tel qu'il était. Never remain as they were. Et le Dieu qui visite, bien-aimé, il est le Dieu qui a toujours un agenda. He is a God who has an agenda. Il est le Dieu qui a toujours un plan. He is a God who has a plan. Il est le Dieu qui voit toujours tout ce que tu traverses. God who sees everything you are going voilà pourquoi il a dit à Moïse, that's why he told Moses, dans Genèse chapitre, dans Exode chapitre 3, in Exodus chapter 3, verset 7 à 8, scripture 7 and 8, il lui a dit, j'ai entendu, he told him that I heard les cris, the cries de mon peuple, of my people, la souffrance de mon peuple, the suffering of my people. Si nous pouvons aller lire cela, if we can say, we can go read it. Exode chapitre 3, Exodus chapter 3. La Bible dit ceci. The Bible says, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent les laits et les miels, dans les lieux qu'ils habitent, les Cananéens, les Essiens et les Amoréens. Amen, amen. Amen. Le Dieu de la Bible, bien-aimé, the God of the Bible, il a dit à Moïse, he said, Moses, je vais visiter mon peuple, I'm going to visit my parce people, que j'ai vu la souffrance de mon because peuple. I've seen their suffering. J'ai entendu les cris qui leur font pousser ses oppresseurs. I've heard the cries for coming from them. From j'ai décidé de descendre. I've decided to en come down. Sorte, Dieu dit, je décide de visiter mon peuple. In other words, God said that I've decided to je ne vais plus laisser mon peuple seul. I don't want to leave my people je alone. Vais venir au milieu d'eux. I've come in the midst of je them. Vais habiter avec eux. I'm going to visit, to dwell avec with un plan bien-aimé. With a plan, beloved. Pour les faire sortir d'Égypte. To pull them out of pour Egypt. Les faire sortir de la servitude. To pull them out of servitude. Pour les faire sortir de l'esclavage. Out of slavery from pour enlever la souffrance qu'ils avaient, to remove the suffering pour that my enlever people had. Toutes les peines que ce peuple to a enduré. All the pain that my people have been going oui, through. Oui, bien-aimé, la visitation divine est vraie. Yes, beloved, this divine visitation is true. Et ce même Dieu de la Bible, and this same God of the pendant Bible, toutes les âges, pendant toutes les périodes, il a continué à visiter son peuple. During all the times, through all the ages, and all the years, he has continued et to visit his people. Et aujourd'hui encore, il est capable de te visiter. And today, he's still able to visit you. Encore, il est capable de visiter ta maison. Today he's able to visit your home. Visiter ta famille. To visit your family. Et de visiter nos nations. And to visit our nations.
Voilà pourquoi, that's why, lorsqu'il nous dit qu'il veut nous restaurer, when he says that he wants to restore us, il veut aussi nous visiter. He wants to visit us. Il veut nous visiter. He wants to visit parce qu'il ne veut pas que nous puissions demeurer dans les mêmes conditions. Because he does not want us to remain in the same conditions. Les conditions dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui. The conditions in which you find yourself in les today. Les dieux que tu sers. The God that you les serve. Les dieux que tu cherches. The God that you serve. Les dieux que tu pries. The God that you pray. A entendu tes cris. Has heard your cries. Et il est prêt pour te visiter. And he is ready to visit you. Il est prêt pour te visiter. He is ready to visit mais you. Mais bien aimé, beloved, laisse-moi te dire. Allow me to tell you. Il y a you, des moments où there are moments nous pouvons nous-mêmes aussi activer cette visitation. When we can activate this divine visitation. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons voir les deux moyens pour activer la visitation divine. That's why today we are going to see the two ways, the two means to activate this divine quoi, visitation. Activer, bien aimé. What does it mean to activate? Activer veut dire rendre plus rapide. Activate means to speed up. Ou accélérer quelque chose. Or to accelerate something. Oui, c'est réel. Yes, it's real. Il est vrai, bien-aimé. It is true, beloved. Le Dieu qui te promet une visitation. The God who promises you a visitation. Le Dieu qui te promet une délivrance. The God who promises you a deliverance. Le Dieu qui promet la guérison dans ta vie. The God who promises healing in your life. Et toi, tu es capable d'activer cela. And you are able to activate. Tu es capable d'accélérer cela. You are able to accelerate. Tu es capable d'amener l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie à se passer dans un bref délai. You are able to bring God's blessings in your life in a slower delay. Voilà pourquoi, bien-aimé, that's why, beloved, en tant qu'enfant de Dieu, as a child of God, en tant que chrétien, as a Christian, nous avons cette responsabilité-là, we have this responsibility, de veiller sur nous-mêmes, to watch over de ourselves, veiller sur nos vies, to watch over our lives, et de faire ce qui peut nous amener, and to do what can bring us, à attirer la visitation de Dieu, to bring the God's visitation, et de voir un changement dans nos, and dans to, nos vies, and to see change in our lives. Amen, amen. Amen. Oui, bien-aimé. Yes, beloved. Il y a plusieurs moyens que nous pouvons utiliser. There are many ways that we can use pour activer cette visitation divine. To activate the divine visitation. Mais pendant ces deux dimanches que je vais parler, but for these two Sundays that I'm going to speak, je ferai de mon mieux pour parler des deux moyens seulement. Voilà pourquoi j'ai dit deux moyens pour activer la visitation divine. I will do my best to only show you two ways, and that's why I say these are two ways to activate divine visitation. Vous pouvez activer cette visitation divine par des prières, par des jeûnes, par des offrandes, des dîmes ou encore des sacrifices. You can activate this divine visitation by prayer, fasting, by offering and tithing and all kinds of sacrifices. Amen, amen. Amen. Mais aujourd'hui, but today, nous allons partager ce que moi j'ai appelé les premiers moyens. I'm going to share with you what I've called the first way. Les premiers moyens pour activer la visitation divine. The first way to activate divine visitation. Un Dieu qui a décidé de libérer ta vie. A God who has decided to set you free. To set un you Dieu free. Qui te dit, comme il a dit à Moïse, que j'ai vu la souffrance de mon peuple. A God who tells you, as he told Moses, that I've seen the suffering of my people. Et il te dit aujourd'hui que je vois comment tu est en train de te battre pour ta vie. He tells you that I see how much you are fighting for your je life. Je vois tous les sacrifices que tu es en train de faire pour réussir. I see all the sacrifices that you are making in order to succeed. Je vois toutes les prières que tu es en train de m'adresser pour ta maison, pour ta famille. I hear all the prayers that you are bringing to me because of your family and because of your house. Et aujourd'hui, je vais te visiter. But today I'm going to visit you. Aujourd'hui, je vais te visiter. Today I'm going to visit you. Et le premier moyen, bien-aimé, the first way, beloved, activer la visitation divine, to activate divine visitation, il faut enlever l'obstacle à la visitation divine. You need to remove the obstacle in the divine visitation. J'ai dit le premier moyen c'est enlever l'obstacle. The first way I say you need to remove the obstacle. Oui, bien aimé. Yes, beloved. S'il faut aller peut-être à une course, if you have to go to a race, ou s'il faut marcher même ordinairement, if you have to walk normally, si vous avez un obstacle, if you have an obstacle, si vous avez une chaîne par exemple. If you have a chain, for instance, qui vous empêche d'avancer comme il faut, that's preventing you to move forward, vous ne pouvez pas aller d'une manière rapide et atteindre les lieux où vous devez atteindre. You cannot go fast enough to reach the destination as you are trying to. Parce qu'il y a un obstacle. Because there's an obstacle. Il y a un obstacle à cette visitation.
obstacle à cette marche-là. Because there's an obstacle to this walk. Et au moment où vous enlevez l'obstacle, and as soon as you remove this obstacle, vous serez capable d'avancer plus vite. You'll be able to move forward voilà faster. Voilà pourquoi aujourd'hui, that's why today, nous allons beaucoup plus partager comment est-ce que nous devons enlever cet obstacle-là dans nos vies. Today we are going to share on how to remove this obstacle in our lives. Et laisse-moi vous dire, bien-aimé, allow me to tell you, beloved, que le péché, that sin, est le seul obstacle à la visitation divine. Sin is the only obstacle to the divine visitation. Le péché empêche la visitation divine, bien-aimé. Sin prevents our divine visitation. Parce que le Dieu que nous servons, the God that we serve, il dit dans sa parole, he says in his word, si nous pouvons aller lire dans Esaïe chapitre 59, if we can read in Isaiah 59, verset 1 à 2, Isaiah 59, 1 and 2, la Bible dit ceci, the Bible says, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Oui, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Yes, the hand of the Lord is not short to save. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. The hand of the arm of the Lord is not short. La volonté de Dieu est toujours de secourir son peuple. The will of God is always to rescue his people. De visiter son peuple. To visit his people. De venir libérer son peuple ou délivrer son peuple. To come and set free his people or to deliver his people. Mais lorsque l'homme pêche, bien-aimé, but whenever man sins, la Bible dit que le péché crée une séparation entre l'homme et Dieu. The Bible said that sin causes a separation between God and man. Lorsqu'il y a cette séparation, bien-aimé, and when there is this separation, beloved, nous ne pouvons plus vivre cette visitation divine. We can no longer experience this divine visitation. Nous ne pouvons plus vivre cette restauration promise par Dieu. We can no longer experience this restoration promised by God. Nous ne pouvons plus vivre cette bénédiction, cette délivrance que l'Éternel nous accorde. We can no longer experience this blessing that the Lord has given us. Parce que le péché nous éloigne de sa présence. Because sins remove us from his presence. Le péché crée un rejet dans la vie de l'homme. Sins create rejection in a man's life. L'homme en commettant les péchés, bien-aimé, man as he commits sins, il rejette Dieu. He rejects God. Il rejette la parole de Dieu. He rejects the word of et God. Automatiquement, il est loin de la plan de Dieu dans sa vie. Automatically, he is far from the plan of God in his life. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, that's why, beloved, la Bible dit que ce sont vos péchés qui mettent une barrière pour que l'Éternel ne puisse pas agir. The Bible says that your sins cause you to be separated from your God and prevent your God from doing what he has to do in your life. Peu importe ce que l'Éternel promet. No matter what the Lord has promised. Peu importe ce que l'Éternel a décidé de faire, bien-aimé. No matter what the Lord has decided to do. Aussi longtemps que tu mènes une vie de péché. As long as you live in sins. Aussi longtemps que tu ne vis pas selon la parole de Dieu. As long as you don't live according to the word of God. Tu ne verras pas l'accomplissement de cela. You will not see the fulfillment. Nous disons que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. We say that our God is the same yesterday, today, and forevermore. Le même Dieu qui était apparu à Moïse. The same God who appeared to Moses. Qui a dit à Moïse. Who told Moses. D'aller libérer les enfants d'Israël. To go set free the children of Israel. Aller dans une sur une terre promise. To go into a promised land. Et c'est même Dieu là. That's the same God. À cause des péchés. Because of sin. La désobéissance. Because of disobedience. Because of gossiping. Et toute forme de péché. Because of all kinds of sins. Qui était au milieu de ce peuple. That existed in the middle of the people. C'est même Dieu les a détruits. This same God destroyed them. Les a abandonnés. This same God attacked them. Toute cette génération qui était sortie de l'Égypte. This same God did in such a way that this whole generation that came out of Egypt n'ont pas bénéficié de la terre promise. Did not benefit from the promise. Oui, bien-aimé, il est le même. Yes, he is the same. Et aujourd'hui encore, and today si again, nous voulons voir l'accomplissement de ses promesses dans nos vies, if we want to see the accomplishment of his promises in our lives, nous devons enlever à nous tout ce qui est péché. We need to remove from us everything that's considered sin. Nous devons enlever à nous tout ce qui est idolâtrie ou mauvaise vie. We need to remove everything that's considered idolatry or bad lifestyle. Afin que l'Éternel est Dieu. Afin que l'Éternel Dieu, so that the Lord God, puisse se manifester encore puissamment, can manifest himself again powerfully. Amen, amen. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit dans les livres de 1 Corinthiens, and Apostle Paul tells us in the book of 1 Corinthians, chapitre 10, verset 1 à 12, 10, 1 to 12,
1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10. La Bible dit ceci. The Bible says. Le thème d'abord, le titre, c'est Exemple d'Israël dans le désert. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont toujours passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tomba 23 000 en un seul jour. Ne rentrons point dans le Seigneur, ne tentons pas le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux, qu'ils périrent par les serpents. Ne murmurons point comme murmuraient quelques-uns d'entre eux, qu'ils périrent par l'exterminateur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Oui, l'apôtre Paul est en train de dire ici à l'église de Corinthe. Here the apostle Paul is telling the Corinthians. En train de les exhorter. He's exhorting them. De ne pas commettre ces mêmes fautes ou ces mêmes péchés. To not commit the same mistakes or the same sins. Parce que c'est même Dieu qui avait promis les enfants d'Israël. The same God who promised the children of Israel. Il va les libérer, qu'il va les délivrer. That is going to set them free, that is going to deliver them. À cause de leurs péchés. Because of their sins. Beaucoup d'entre eux n'ont pas vu la visitation divine. Many among them did not get to see the divine visitation. Beaucoup d'entre eux n'ont pas atteint la terre promise. Many of them did not reach the promised land. Beaucoup n'ont pas touché à la promesse de Dieu. Many did not touch the God's promise. Parce qu'ils se sont livrés à l'idolâtrie. Because they gave themselves into idolatry. Ils ont donné la place de Dieu à d'autres. They gave the God's place to others. Ils ont pris la première place pour leur propre vie. Ils ont donné ça autre chose qu'à Dieu. They took the first place in their lives. They gave it to other things instead of God. Oui, bien-aimé, l'idolâtrie est encore là. Yes, beloved, idolatry is still there. L'idolâtrie n'est pas seulement le fait d'aller faire des statues et de se prosterner devant ces statues. Idolatry is not just to go make up words, make up statues and bow down in Mais front of them. Mais aussi notre vie. Notre mode de vie bien-aimé. Our lifestyle, beloved, the way that we live our lives. Il y a des gens qui sont devenus idoles de leur téléphone. And there are people who have become idolaters of their phone. Il y a des gens qui sont devenus idoles de leur famille ou de leur mariage. And there are people who have become idolaters of their families, Ils of their marriages. Ils donnent la première place. They give the first place. Ils donnent la première place à leur projet. They give the first place to their project. Ils ont toujours des excuses. They always have excuses. Pour venir à l'église. To come to church. Pour servir Dieu. To serve God. Je n'ai pas le temps. I don't have time. Je dois prendre soin de ma maison. I have to take care of my home. Je dois prendre soin de mon mari. I have to take care of my husband. Je dois prendre soin de mes projets. I have to take care of my projects. De mes enfants. Of my children. Je dois faire ceci. I have to do this. Je dois faire cela. I have to do that. Où est la place de Dieu? Where is the place of God? Où est la place de Seigneur dans ta vie? Where is the place of the Lord in your life? Alors, il est écrit. Although it's written. Tu n'adoreras pas d'autres dieux que l'Éternel est Dieu seul. You will not worship other God, only your God. Et tu lui donneras la première place. And you will give him the first place. Tu lui donneras la première place. You will give him the first Et place. Et cette idolâtrie bien-aimée. And this idolatry, beloved. Est un péché que l'Éternel n'accepte pas. Is a sin that the Lord does not accept. Voilà pourquoi aujourd'hui bien-aimé. That's why today, beloved. Cela constitue aussi un frein, un obstacle à la
visitation divine dans beaucoup de vies. This is also considered as one of the obstacles in many lives. L'Éternel est vrai, il est capable de nous visiter. The Lord is real and is able to visit us. Nous devons enlever ces obstacles. We must remove these obstacles. Et ces enfants d'Israël, and these children of Israel, continuent à vivre dans les débauches. They continue to live in sexual immorality. They continue to live dans in fornication. They continue to live bad lifestyles. Et ces enfants d'Israël aussi ont été détruits. And these children of Israel were destroyed. Comment est-ce que nous menons nos vies? How do we live our lives? Comment est-ce que notre société vit actuellement, bien-aimé? How is our society living right now? Toutes ces abominations, all these abominations, tous ces mauvais actes qui sont acceptés, all these evil acts, evil deeds that are accepted, qui sont même considérés comme des droits humains, they are being even considered as human rights. On dit que l'homosexualité est un droit de l'homme. They say that homosexuality is human rights. Alors que c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Although it's considered an abomination to the eyes of the Lord. Et c'est même un Dieu, bien-aimé. Aussi longtemps que tu es dans ces abominations, as long as you remain in these abominations, dans ces débauches, as long as you stay in sexual dans ces mauvaises pratiques, in these evil practices, dans l'impudicité, in fornication, dans des mauvais actes, in evil deeds, même la pornographie, bien-aimée, even pornography, beloved. Aujourd'hui, cela se pratique et accepté même dans les écoles, même dans beaucoup d'environnements. Today, this is accepted even in schools and in many other environments. Alors que ce sont des obstacles à la présence de Dieu dans ta vie. Although these things present obstacles in God's presence quand in your life. Dieu n'est pas dans ta vie, bien-aimé. When God is not in your life, tout beloved, ce que tu espérais, everything that you hope for, ce que tu demandais, everything that you ask tout for, ce que tu es en train de rechercher, everything that you are looking for, il te sera difficile de les obtenir. It will be hard, it will be difficult for you to get them. Parce qu'il est celui qui connaît les plans qu'il a pour toi. Because he's the one who knows the plan that he has for you. Il est temps de pouvoir sortir de toutes ces mauvaises vies. The time has come to come out of this evil life. De pouvoir abandonner toute cette façon de vivre que nous voyons la société accepter si cela n'est pas bon selon la parole de Dieu. To abandon living according to what the society says, especially if these things are against the word of God. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le péché est un grand piège, bien-aimé. Sin is a big is a big obstacle, is a big problem. C'est un grand piège que l'ennemi nous tente. It is a trap. It is a big trap that the enemy is putting in front of us. Pour que nous puissions tomber. So that we may fall. Parce qu'il sait que lorsque l'homme tombe dans les péchés, because he knows that when man falls in sin, l'homme se sépare de Dieu. Man is separated from et God. Et lui maintenant il a la main mise sur l'homme. And now he has his hand on the man. Et lui maintenant il peut détruire la vie de l'homme. And he can now come and destroy the life of the man. Il peut venir arrêter l'accomplissement des plans de Dieu dans la vie de cet homme. He can come and stop the fulfillment of God's plan in il his peut man's venir life. Amener la destruction dans la vie ou dans le foyer de cet homme. He can bring destruction in the life and in the household of this man. Voilà pourquoi, bien-aimé, that's why, beloved, en tant que chrétien, as a Christian, nous devons vivre loin de tout péché. We must live far away from nous devons all sins. Nous éloigner de tout ce qui n'amène pas la gloire de Dieu dans nos vies. We must get away from anything that does not bring God's glory in our lives. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu n'habite pas ou ne cohabite pas avec les péchés. God does not cohabitate with sins. Dieu ne cohabite pas avec les péchés. God does not cohabitate with sins. Même son propre fils bien-aimé. Even his only son beloved. Dans Jean 8, 29. In John 8, 29. Jésus-Christ est en train de dire. Jesus is saying. Celui qui m'a envoyé est avec moi. The one who has sent me is with me. Il ne m'a pas laissé seul. He did not leave me alone. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Because I always do what he requires of me. Il est toujours avec moi. He is always with me. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Because I do what's required of him. Mais le fait même de que Jésus-Christ abandonne son trône. But the fact that Jesus Christ abandoned his throne. Et de descendre sur la terre pour nous sauver. And to come on earth to save us. Était dans les plans de Dieu. Was in God's plan. Était dans la volonté divine. It was in the divine will. Parce que Dieu cherchait quelqu'un pour sauver l'humanité. Because God was seeking for someone to save humanity. Et comme il n'y avait personne, Jésus s'est levé, il a dit, Père, j'irai. Since there was no one to do the job, Jesus stood up and said, Father, send me. Jésus était toujours dans cette volonté divine. Jesus was still in this divine will. Même pendant toute sa vie terrestre. Even during his life on earth.
Jésus était toujours dans la présence de Dieu et faisait toujours la volonté de Dieu. Jesus stayed in God's presence and always did the will et of God. Et Dieu était toujours avec lui. And God was always with him. Mais quelque chose s'est passé un jour, bien-aimé. Something happened one day, beloved. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ est mouru, the Bible said when Jesus Christ was dying, comme nous donnait la prophétie ou la révélation d'Ésaïe, as it's given to us by the prophecy of Isaiah. Et ce sont nos souffrances qu'il avait portées. It is our sufferings that he carried on c'est him. C'est pour nous qu'il est allé à la croix. It is because of us that he went on the cross. Lui qui n'avait jamais péché. He who did not commit any sins. Mais il s'est fait pécher. But he made himself a sin to save us. Even accepted to be seen. C'était dans la volonté de Dieu. Was in the will of God. Pour que nous soyons sauvés. So that we may be saved. Mais malgré cette volonté de Dieu, despite this will of God, Dieu l'a laissé. God left him. Dieu l'a abandonné. God abandoned him. Dieu a été loin de lui pendant ces instants. God was away from him during that time. Voilà pourquoi dans Matthieu 27:46. That's why in Matthew 27:46. Nous voyons comment Jésus-Christ est en train de prier. That we see how Jesus Christ is praying. He was praying. Son père, il dit père. To spread his father, say, Father. Pourquoi m'as-tu abandonné? Why have you forsaken me? Pourquoi m'as-tu abandonné? Why have you forsaken me? Bien-aimé, le péché est un obstacle à la visitation divine. Beloved, sin is an obstacle to the divine visitation. Si Jésus qui était Christ et qui faisait toujours la volonté de Dieu. If Jesus who was Christ and always did the will of God. A été abandonné par le père parce qu'il était devenu péché. Was abandoned by the father because he became sin. À combien plus forte raison toi et moi? How about you and I? Lorsque nous vivons dans les péchés, when we live in sins, lorsque nous demeurons dans le mal, when we dwell, in nous evil, demeurons dans les mensonges, when we dwell in lies, lorsque nous demeurons dans les croqueries, when we dwell in crookedness, lorsque nous demeurons dans les murmures, when we dwell in gossiping, dans les mauvais actes, in bad behaviors, Dieu là ne sera pas avec nous. That God will not be with us. Dieu là ne cohabitera pas avec nous. God will not cohabit with us. Et nous ne serons pas capables de bénéficier de son plan dans and nos vies. We will not be able to benefit from his plan voilà in our lives. Voilà pourquoi nous disons que le péché est le seul obstacle, bien-aimé. That's why we say that sin is the only obstacle, beloved. Le jour où tu enlèves le péché dans ta vie, the day in which you remove the sins in your life, le jour où tu enlèves tout ce qui n'est pas bon à Dieu dans ta vie, the day in which you remove everything that's not good or right to God from your life, c'est à ce moment-là que tu vas voir l'accélération de la visitation divine dans ta vie. That's the day you will see the acceleration of the divine visitation in your life. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le péché, comme je l'ai dit, c'est un obstacle. Sin, as I said, is an obstacle. Et un piège. And it's parce a trap. Que c'est l'ennemi qui vient nous tenter. Because the enemy is the one who comes to tempt us. Parce qu'il connaît l'étoile que Dieu a placée sur chacun de nous. Because he knows the star that God has placed on il each one of us. Il connaît les projets, les merveilleux projets que Dieu a pour chacun des vies. He knows every marvelous plan and project that God has for each one of our lives. Et il ne veut pas que cela s'accomplisse. And he does not want that to come to pass. Voilà pourquoi il vient toujours avec ses malices pour nous amener loin de la présence de Dieu. That's why he comes with his schemes so that he can bring us away from the presence of God. Amen, amen. Amen. Et le péché a toujours des conséquences, bien-aimé. And sin always has consequences. Et nous allons voir deux conséquences que moi je considère que le péché peut amener dans la vie de l'homme. We're going to look at two consequences that sin can bring into the man's life. Comme nous sommes en train de parler de la visitation divine. As we are speaking about the divine visitation. Le péché premièrement amène le retard à l'accomplissement de la visitation divine dans la vie de quelqu'un. Sin brings tardiness to the accomplishment of the divine visitation in someone's life. Amen, amen. Amen. Et nous voyons cela dans la Bible. We see that in the Bible. Et les enfants d'Israël, lorsque Dieu les a fait sortir d'Égypte, the children of Israel, when God pulled them out of Egypt, pour sortir de l'Égypte et aller dans la terre promise, Canaan, in order to come out of Egypt and go into Canaan, the promised land, il ne fallait que 11 jours. It only took 11 days. Mais ils les ont pris 40 ans. But it took them 40 years. 40 ans dans les déserts. 40 years in the desert. Parce que c'était un peuple rebelle. Because this was a rebellious people. Un peuple têtu. This was a stubborn people. Un peuple qui ne faisait que irriter Dieu par leurs actions. A people who caused God's anger through their behaviors. Et nous voyons le plan de Dieu s'est rallongé, la visitation divine s'éloigner de leur vie, être retardée. And we see God's plan being delayed, being
being delayed in their lives. Et nous aussi, bien-aimés, we as well, beloved, aussi longtemps que nous vivons dans les péchés, as long as we live in sin, aussi longtemps que nous vivons dans les choses qui n'honorent pas Dieu, as long as we keep living in lifestyle that does not honor God, nous retardons la visitation divine dans nos vies. We are delaying divine visitation. Nous retardons l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. We are delaying the accomplishment of God's promise in tout our lives. Tout ce que Dieu t'a promis. Everything that God has tout promised ce que Dieu a déclaré pour toi. Everything that God has declared for pour you. Pour ta famille, pour ta maison, pour tes enfants. For your family, for your children. Pour que tu vives cela, bien-aimé. In order to live it, experience it. Sépare-toi de tout ce qui est péché. Get away from everything that's considered sin. Sépare-toi de tous ceux qui n'honorent pas Dieu. Get away from everything that does not pour give honor to God. Pour que réellement tu puisses toucher à tes bénédictions. So that you can truly touch at your blessings. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Deuxième conséquence du péché. Second consequence of sin. Le péché peut amener l'annulation ou encore peut annuler les plans de Dieu dans ta vie. Sin can cancel or bring cancellation to God's plan in your life. Le péché peut annuler les plans de Dieu dans ta vie. Sin can cancel or bring cancellation in God's plan in your life. Oui, le plus souvent on dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses grâces. We say that God never repents from his grace nor from his gift. Oui, ce sont les dons et les grâces que Dieu t'a donné. Yes, these are gifts and graces that God has given mais you. Mais quand nous parlons des plans de Dieu dans la vie de l'homme, but when we speak of God's plan in a man's nous voulons life. Parler de la destinée glorieuse que Dieu a établie pour l'homme. We want to speak about the glorious destiny that God has established la for man. La destinée glorieuse que Dieu a établie pour l'homme. A glorious destiny that God has established va for man. Va au-delà des grâces, au-delà des dons que Dieu donne it à l'homme. Goes beyond the graces and the gifts that God gives to a lorsque man. Lorsque Dieu a créé l'homme bien-aimé. When God created man, beloved. Souvenez-vous, il a créé Adam et Ève. You remember he created Adam and Eve. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de mal. There was no sin, there was nothing evil. Il n'y avait pas non plus de mort. There was not death. Et Dieu a dit le jour où vous mangerez ces fruits de cet arbre que je vous ai interdit. God said the day in which you will eat from the tree that I've told you not to eat c'est from. C'est en ce jour-là que vous allez mourir. That's on the day that you are going to c'est die. C'est en ce jour-là que la destinée glorieuse de Dieu dans la vie de l'homme devrait s'arrêter. And that's the day that the divine glorious destiny of God in man's life was going to stop. Même si l'homme allait vivre, even if man was going to live, l'accomplissement de toute la destinée de Dieu n'allait pas se réaliser. The accomplishment of God's destiny in his life was not going to come to pass. Il y a automatiquement l'annulation de ce que Dieu avait promis dans la vie de l'homme. There is an automatic cancellation of what God had promised for a man's life. Certains péchés bien-aimés dans la vie de l'homme. Some sins in a man's life. Certaines erreurs dans la vie de l'homme. Or some mistakes in a man's life. Bien-aimé, la vie ou la destinée de l'homme. Can cost a man his life or even his destiny. Peuvent coûter à l'homme là sa destinée. They can cost a man peuvent his amener destiny. À l'homme de perdre sa destinée. It can bring a man to lose his destiny. Amen, amen. Amen. Et nous voyons cela dans la Bible. And we see it in the Bible. Cela est clair, bien-aimé. That's clear, beloved. Si nous pouvons aller, if we can go. Lire même à la maison comme nous n'avons pas assez de temps. If we can even read at home as we don't have enough time. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapter 2. Nous allons voir l'histoire. We're going to see the story. Des enfants d'Israël. Of the children of Israel. Les sacerdotes des enfants d'Israël. The priesthood of the children of Israel. Et là nous avons un souverain sacrificateur Élie. We have Eli who is the high priest. Élie bien-aimé. Eli, beloved, était un souverain sacrificateur. He was a high priest. Et selon la loi de Dieu dans la vie des enfants d'Israël, according to God's law in the lives of the children of quand Israel, Dieu répartissait les tâches aux enfants d'Israël à leur tribu, when God was giving different assignments to the children of Israel according to the tribes, les sacerdotes étaient donnés aux Lévites. The priesthood was given to Levites. Et Élie était aussi un Lévite. Eli was a Levite. Et il était en train de travailler dans la présence de Dieu. He was working in the presence of God. Il travaillait dans le service de Dieu. He worked in the house of God. Mais quelque chose s'est passé, bien-aimé. But something happened, beloved. La Bible déclare dans ces passages. The Bible speaks in this scripture. Que les enfants d'Élie. That the children of Eli. Les enfants d'Élie. The children of étaient Eli. Des hommes pervers. They were
perverts. Des hommes qui n'obéissaient pas à Dieu. There were men who did not obey God. Des hommes qui ne écoutaient pas Dieu. The men who did not listen to God. Des hommes qui prenaient même des offrandes et des sacrifices consacrés à l'Éternel. The men who used to take sacrifices and offerings given to God. Des hommes qui couchaient même avec des femmes dans les temples. The men who used to even lay down with women in the temple. Ils étaient là en train de commettre des abominations. They were in there committing abominations. Ils étaient là en train de commettre des péchés. They were in there committing sins. Et à cause de ces péchés, bien-aimés, because of these sins, beloved, l'Éternel a abandonné ou a annulé les plans qu'il avait dans cette tribu-là. The Lord has abandoned the plan that he had for that tribe. Et nous allons voir que Dieu a rejeté Élie. We will see that God rejected Eli. A rejeté même ses enfants. God rejected his parce children. Parce que ses enfants vont mourir. Because his children died. Et ils ne vont pas même aller remplacer Eli dans les sacerdoces. And they were now even going to replace Eli in the priesthood. Dieu va se choisir un autre. God is going to choose il another. Il va se choisir le prophète Samuel. God is going to choose the prophet alors Samuel. Alors que le prophète Samuel était de la tribu d'Ephraïm. Although Samuel was from the tribe of Ephraim. Nous voyons comment est-ce que les plans de Dieu, les desseins de Dieu même pour toute une tribu a été enlevé à cause du péché. We see that God's destiny for an entire tribe has been canceled and removed. Et a été donné à un autre. And it's been given to another. Oui, bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Yes, beloved, let me tell you this. Les péchés que tu tolères aujourd'hui. The sins that you are tolerating today. En tant que parents, bien-aimés. As a parents, beloved. Nous devons toujours faire attention. We must always be careful. La manière dont nous gérons nos enfants. The way that we are raising our ne children. Ne tolérons pas des péchés, bien-aimés. Do not tolerate sins, parce beloved. Les sacrificateurs Élie. Because now this the priest, Eli the il priest, était en train de tolérer les péchés de ses enfants. He was tolerating the sins of his children. Même si il les réprimandait. Even when he was trying to correct them. Mais en tant que père, il était toujours là en train d'avoir un langage, je peux dire, léger ou encore acceptable envers ses enfants. But as a father, he still was there, and the way he was talking to them in a way that was considered a little bit soft. Et dans les Écritures, nous voyons que Dieu n'était pas content de cela. In the Scriptures, we see that God was not happy with him. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu as à apprendre et à me considérer même tes enfants plus que moi? God asked him, why do you even give your children more consideration than I? Oui, bien-aimé. Yes, beloved. En tant que parent, as a parent, ne laissons pas nos enfants dans les abominations. Do not let's not leave our children into abominations. En tant que parent même spirituel, even as spiritual parents, si aujourd'hui les églises sont détruites, if today churches are destroyed, si aujourd'hui la puissance de Dieu ne se manifeste pas, if today we no longer see the power of the si power of God, si aujourd'hui Dieu ne délivre plus ou ne visite pas et ne se fait plus voir, if God is no longer delivering, visiting people and is not even showing up. Peut-être c'est à cause de ces péchés que nous tolérons dans nos églises. Maybe it's because of these sins that we tolerate in our churches. À cause de ces abominations que nous ne cherchons même plus à parler haut. It's because of these abominations that we are not even trying to condemn. Nous sommes en train de dire oui, c'est normal. We are saying that oh yes, it's oui, normal. Oui, c'est normal. Yes, it's normal. Oui, la société accepte. Yes, the society accepts. En tant qu'église, en tant que parent physique ou spirituel, as a church, as a parent spiritual or biological, nous devons toujours frapper fort ou encore dénoncer le mal. We must always strike hard and stand against evil. Afin que Dieu ne puisse pas se tourner contre nous et nous frapper. So that God cannot turn against us and strike us. Afin que nous ne puissions pas voir l'annulation de la promesse de Dieu dans l'église ou dans nos familles. So that we cannot see the cancellation of God's plan in our lives or in our families. Mais à cause de ses enfants, because of his children, la destinée de toute une tribu a été enlevée. The destiny of an entire tribe has been canceled. Certains péchés bien-aimés dans ta vie. Certain sins in your life, beloved. Vont enlever même la destinée que Dieu a pour toi. Will remove the destiny that God has for you. Vont enlever même les promesses que Dieu a pour toi. They can remove the promises that God has si for you. Si Dieu a dit, je ne prends pas garde à celui qui me considère. As if God said that I will not pay attention to the one that does not consider je me. Je prends garde à celui qui obéit, qui m'obéit. I pay attention to the one who obeys me. Il veut que nous puissions lui obéir. He wants us to be obedient il to him. Il veut que nous puissions vivre cette vie consacrée et une vie sainte. He wants us to live a holy life. Pour que nous puissions bénéficier de sa visitation. So that we may benefit from his visitation. Dieu ne visitera pas tout le monde. God will not visit everyone. Dieu ne bénira pas tout le monde. God is not going to bless les everyone. Le péché est un obstacle majeur, bien-aimé. A sin is a major obstacle, qui beloved. Qui empêche la visitation divine. That prevents divine visitation. Qui annule la
promesse de Dieu dans ta vie. That cancels God's promise in your life. Et cela nous voyons encore dans la Bible. And we see that as well in the Bible. Que Dieu, that God, a annulé même la promesse qu'il avait fait aussi à son serviteur. Cancel a plan, a promise that he had made to his servant. Son serviteur ou encore son choisi Saül. His servant or his chosen one, Saul. Dans les livres de 1 Samuel chapitre 15 et 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel 15 and 16. Nous allons voir. We will see. Que Dieu avait choisi Saül, Samuel plutôt, Saül pour diriger, pour être comme premier roi en Israël. We see that God had chosen Saul to be the first king in Israel. Et nous voyons que Saül était de la tribu de Benjamin. We see that Saul was a Benjamite. Mais à cause de la désobéissance de Saül, because of his disobedience, Dieu lui a dit, God told him, que je me suis souvenu des enfants d'Israël. I've remembered the children of Israel. Je me suis souvenu des Amoréens, des Amalek plutôt, qui ont fait barrière aux enfants d'Israël lorsqu'ils sortaient de l'Égypte. I remember the Amalekites who had put a barrier in front of the children of Israel when they were coming out of Egypt. Je te donne la permission d'aller les frapper et les exterminer et de les vouer à un par interdit. I give you now the authorization to go in and destroy them. Ne prenez rien. Do not take anything. Ne prenez rien. Do not take anything. Mais à cause de la convoitise. But because of the lust. Ils sont allés à la guerre. They went to war. Ils ont tout tué. They killed everything. Ils ont épargné les rois d'Amalek. And they spared the king of the Amalekites. Ils ont épargné ce qui était des brebis, qui ce qui était des grosses brebis et ce qui était des grandes valeurs. They spared the sheep that were very healthy with a lot of grease and things that were of high value. Et à cause de ces péchés, Dieu l'a rejeté. Because of that sin, God rejected him. Dieu l'a rejeté, bien-aimé. God rejected him, Dieu beloved. Ne tolère pas les péchés. God does not tolerate même sin. Si tu vis encore dans les péchés, bien-aimé. Even if you're still living in sin. Et tu vois la main de Dieu. And you see the hand of God. Tu es dans les services. You are in the service. Tu es dans les ministères. You are in the ministry. Et tu opères dans les miracles. And you can still go operating miracles. Laisse-moi te dire. Allow me to tell you. Les promesses de Dieu dans ta vie. God's promises in your les life. Les plans de Dieu dans ta the vie. The plan of God in your life. Ne vont pas s'accomplir. They are not going la to be accomplished. La destinée glorieuse que Dieu a pour toi. The glorious destiny that God has for you. Will not happen. Aussi longtemps que tu demeures dans ces péchés. As long as you dwell in parce que c'est Dieu là qui n'a pas accepté la désobéissance de Saül. Who does not accept the disobedience from Saul? Il l'a rejeté. You rejected him. Il est allé se faire un autre roi qu'il a choisi. You went to choose another king. Il a dit que j'ai vu David. He said that I saw David. David qui était de la tribu de Juda. David was from the tribe of Judah. Dieu l'a choisi. God chose him. Parce qu'il avait un cœur agréable. Because he had a good heart. Parce qu'il était obéissant. Because he was obedient. Parce qu'il marchait selon les voies de Dieu. Because he walked according to the ways of God. Et voyons là comment la royauté a shifté. And we see how the vault is shifted. La royauté qui devrait aller du père au fils. And the kingship that was supposed to go from father to son. Les enfants de Saül après Saül. The children of Saul after Saul. Et la royauté est allée dans la main d'une autre personne. And the kingship went to the hands of another la man. La destinée a changé. The destiny changed. À cause des péchés. Because of sin. Nous parlons des péchés, bien-aimés. We speak of sin, beloved. Parce que nous voulons que l'église ne vive pas dans les péchés. Because we don't want the church to live in sins. Nous voulons que dans nos familles que nous ne soyons pas dans les péchés. We don't want to live in sins in our families. Afin que nous ne puissions pas manquer les temps de la visitation de Dieu. So that we do not miss the moments of God's visitation. Afin que nous ne puissions pas manquer la restauration que Dieu nous a promis. So that we do not miss the restoration that God has promised afin us. Que nous ne puissions pas manquer toutes les bénédictions ou tout ce que Dieu promet de faire dans nos vies. So that we do not miss the blessings and everything that God has promised to do in our lives. Le péché est un obstacle majeur, comme on dit. Sin is a major obstacle, as we said. Si nous vivons dans ces péchés, bien-aimés. If we live in sins, beloved. Oui. Notre Dieu est un Dieu bon. Yes, our God is a good God. Notre Dieu est un Dieu bon. Our God is a good God. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions demeurer dans les péchés. Because he does not want us to dwell il in sins. Il ne va pas non plus nous rejeter lorsque nous demeurons dans les péchés que nous voulons revenir à lui. He will not reject us when we live in sin and we want to come back to him. Voilà pourquoi nous disons la solution lorsqu'on est dans les péchés ou dans des mauvaises choses, la solution c'est la repentance et l'abandon
de tous ces mal. That's why we say that the solution is a repentance and abandoning of all this evil. Oui, aujourd'hui je voudrais appeler quelqu'un à se repentir. Yes, I wanted to call someone to repent today. Je voudrais appeler quelqu'un à prendre conscience de son état. I wanted someone to be conscious of his state. À prendre conscience de sa situation. To be conscious of his situation. À se repentir du mal qu'il commet ou qu'il commettait. To repent from the sin that he commits or that he or she et has committed. Et abandonner cela, bien-aimé. And to abandon it. Et abandonner cela. And to abandon parce que la parole de Dieu est claire. Because the word of God is clear. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. The Bible says in 2 Chronicles 7:14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. If my people in which is called by my name. Cherche ma face. Seek my face. Se détourne de tout mal. Turns away from its evil ways. Il prie. And pray. Je les exaucerai du haut des cieux. I will listen to them from heaven above. Nous devons chercher Dieu. We must seek God. Nous devons prier. We must pray. Nous devons abandonner les mains. We must abandon evil. Nous devons abandonner les mains. We must abandon et evil. Et Dieu là va nous restaurer. And God is going to restore Dieu us. Dieu là va nous visiter. And God is going to visit Dieu us. Dieu là va amener un changement dans nos and vies. And God is going to bring change in our lives. Même si le plan de Dieu s'était éloigné de nous. Even if the plan of God has been removed from us. À cause de notre repentance bien-aimée. Because of our repentance, beloved. Notre changement d'attitude. Because of our changing attitude. Nous serons capables de rentrer dans les plans de Dieu. We will be able to go back in nous God's plan. Nous serons capables de rentrer dans la présence de Dieu. We will be able to go back in the presence nous serons of capables God. De bénéficier encore de l'amour de Dieu we'll et de bénéficier de son plan merveilleux pour nous. We will be able to benefit from God's love and his great love for us. Amen, amen. Amen. Pour terminer, bien-aimés. To finish, beloved. Nous allons prendre les écritures que nous allons peut-être lire à la maison. We're going to take some scriptures that we are maybe going to read at home. Dans Luc chapitre 15. Luke 15. Verset 11 à 32. 11 to 32. On nous parle de l'histoire du fils prodigue. They speak to us about the prodigal son. Et dans Jean chapitre 8. In John chapter 8. De verset 1 à, chaque, à 11. To scriptures 1 to 11. On nous parle de la femme qu'on accuse, qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère, qu'on a amenée devant Jésus. And they speak about the prostitute woman that they caught committing adultery that they brought in presence of Jesus. Oui, bien aimé. Yes, beloved. Selon ces passages, according to the scriptures, j'ai retenu quatre choses importantes au propos de la repentance. I've taken down four things based on repentance. La première chose, l'Église notait ceci. The first thing I'd like for the church to write this down. La repentance va te faire rentrer dans la présence de Dieu. Repentance will bring you back into God's presence. Et te fera bénéficier de la bénédiction divine ou encore du plan de Dieu. And will allow you to benefit from the divine plan of God in your life. Nous voyons cet enfant prodigue. We see this prodigal son. Qui a décidé de se repentir. Who decided to repent. Et lorsqu'il a dit, je rentrerai vers mon père. And when he said that, I will go back to my father. Parce que la situation qu'il était en train de traverser n'était pas bonne. The situation he was going through was not good. Et à cause de cette repentance-là, because of his repentance, le père l'a accueilli. The father welcomed him. Il déclare que le père était là. Il a accueilli à bras ouverts. The Bible said that the father welcomed him with open arms. Il n'a même pas demandé où étais-tu. He did not even ask him where he was. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent que tu as pris? What did you do with the money that I gave you? Comment tu es arrivé à ce niveau. How did you get to that level anyway? Le Père l'a accueilli. The Father welcomed you. Et aujourd'hui encore bien-aimé. And today again, beloved. Accepte de te repentir. Accept to repent. Accepte d'abandonner les mal que tu commets ou tu commettais. Accept to abandon the evil things that you did and that you do. Le Père est prêt à t'accepter. The Father is ready le to welcome you. Le Père est prêt à te recevoir encore. The Father is ready to welcome et you. Et tu seras héritier. And you will be the heir. Tu vivras encore les plans de Dieu. And you will experience again tu the plan of God. Tu vivras encore la bonté de Dieu. And you will see again the goodness of God in your life. La deuxième chose que j'ai retenu. The second thing that I remember. L'Église notait. Write this down, church. La bonne attitude lorsqu'on a commis un péché. A good attitude when we have committed a sin. Et de ne pas demeurer dans les péchés. Is not to dwell in sin. Mais de changer et de faire un demi-tour. Is to make a U-turn and change. De ne pas demeurer dans les péchés. Do not dwell in sin. Il faut changer. You need to change. Il faut changer. You need to change. Les fils prodigues. The
prodigal son. S'il n'avait pas décidé de faire un demi-tour et rentrer chez son père, if he did not decide to make a U-turn and go back to his father, il allait mourir dans ses péchés. He was going to die in his sin. Il n'allait pas être restauré. And he was not going to be restored. Parce qu'à la fin de l'histoire ou de la parabole, because at the end of the parable, la Bible dit que le père, the Bible said that the father, a organisé un grand festin. He organized a big feast. Mon fils qui était perdu a été retrouvé. Because my son who was lost has been found. Il a fait un demi-tour. He did a U-turn. Et il a été remis dans sa position. And he's been put back into his la position. La troisième chose qu'il faut noter. The third thing that you need to remember. La repentance te rend agréable à Dieu. Repentance makes you acceptable to God. En te donnant un cœur disposé et humble. By giving you a heart that's available to God and that's humble. Le plus souvent, lorsqu'on n'est pas prêt à se repentir, many times when we are not ready to repent, parce que nous n'avons pas ce cœur humble, it's because we don't have that humble heart. Nous n'avons pas ce cœur humble, bien-aimé. We don't have a humble heart. Mais lorsque tu te repens, but when you repent, Dieu regarde ton cœur. God looks at your heart. Dieu regarde ton cœur. God look at your heart. Tu deviens agréable à ses yeux. You become acceptable to God. Et Dieu t'accepte encore dans and sa God présence. God will accept you again in Dieu His presence. Dieu te restaure dans tes fonctions. God restore you Dieu in your position. Dieu te redonne ce que tu avais perdu. God gives you everything Dieu you have lost. Dieu te redonne ce qu'il t'avait promis. God gives you everything He has Dieu promised you. Dieu enlève l'obstacle de ce qui t'empêchait de saisir tes bénédictions. God removes the obstacle of what was preventing you from reaching out to your blessings. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Do not harden your heart, beloved. N'endurcis pas ton cœur. Do not harden your heart. Là où tu es. Where you are. Accepte d'abandonner le mal. Accept to abandon evil. Même quand tu nous suis par les réseaux sociaux. Even when you are following us si on social media. Si tu sais que tu es dans une vie qui n'honore pas Dieu. If you know that you are living a lifestyle that does not honor God. Ouvre ton cœur aujourd'hui. Open your heart today. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Repent-toi et abandonne le mal. Repent and abandon evil. Tu auras une nouvelle vie. You will have a new life. Tu auras une vie restaurée. You will have a restored life. Tu auras une vie qui sera meilleure que celle que tu as aujourd'hui. You will have a better life than the one that you have today. Amen, amen. Amen. La quatrième chose et la dernière. The fourth and last. La repentance apporte toujours la restauration. Repentance always brings out restoration. La repentance apporte toujours la restauration. Repentance always brings out restoration. Alors que les hommes voulaient condamner cette femme. Although men wanted to condemn this woman. Ils voulaient lapider cette femme. They wanted to stone this woman. Jésus lui a dit. Jesus told them. Que celui qui n'a pas commis de péché soit le premier à les lapider. He told them, whoever hasn't committed sin, let him go ahead and cast the first stone. Personne n'a pu condamner cette femme. No one was able to condemn this woman. Ils sont tous partis. All of them left. Et Jésus a dit à cette femme. And Jesus told this woman. Femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Woman, where are those who are condemning moi you? Moi non plus, je ne te condamne pas. I neither condemn you. Lève-toi et va. Stand up and go. Cette femme a été délivrée. This woman was delivered. Cette femme a été restaurée. This woman was restored. Lui, il est elle qui devrait mourir. She was supposed to die. Mais ce jour-là, but that day, Jésus ne l'a pas condamnée. Jesus did not condemn her. Oui, bien-aimé. Yes, beloved. Tu as bien fait de venir à l'église. You made the righteous to come to church. Tu as bien fait de nous suivre par les réseaux sociaux. You made the righteous to follow us on social media. Jésus Christ est encore là. Because Jesus Christ is still here. Peu importe cette vie que tu menais. No matter what kind of lifestyle you were living. Aujourd'hui. Il ne te condamne pas. Today he does not condemn ce jour-là, ce sont les hommes qui ont amené cette femme pour l'accuser auprès de Jésus. On that day, it was men who had brought this woman to accuse her in front of Jesus. Si on l'avait amené peut-être auprès des souverains sacrificateurs ou des sadducéens, if she was brought in front of the Sadducees or in front of the high priest, elle serait condamnée selon la loi. This woman could have been condemned according to the law. She could have been killed. Mais aujourd'hui tu es devant Jésus. But today you are in front of Jesus. Celui qui est mort pour toi. The one who died for celui you. Celui qui s'est donné pour toi. The one who gave his life for et you. Et il veut que tu changes. And he wants you to change. Il ne te condamne pas. He does not condemn il dit, you. Il dit lève-toi. He says stand up. Lève-toi. Stand up. C'est-à-dire ne demeure pas dans les péchés là où tu étais. It means do not dwell in sins where you were. Ne demeure pas dans les mal là où tu es. Do not dwell in evil where il you are. Ne te condamne pas. Lève-toi et marche et va. I'm not condemning you. Stand up and go. Lève-toi, bien-aimé.
Stand up, beloved. Abandonne le mal. Abandon evil. Abandonne les mauvais actes. Abandon bad evil. Abandonne les mauvaises pratiques. Abandon bad practices. Et tu verras la restauration de ta vie. And you will see the restoration tu of your life. Tu verras la délivrance de ta vie. You will see deliverance in tu your life. Tu verras toutes les promesses de Dieu arriver à s'accomplir dans ta vie. You will see all of God's promises coming to pass in your life. Tu verras toutes les promesses de Dieu arriver à s'accomplir dans la vie de tes enfants. You will see all of God's promises being accomplished in the lives of your children. Tu verras toutes les promesses de Dieu arriver à s'accomplir dans tes projets, dans tes études ou encore dans nos églises. You will see the fulfillment of God's promises in your project and also even in our church. La repentance est la clé, bien-aimé. Repentance is the key, beloved. La repentance est la clé. Repentance is the key. Pendant cette année que nous parlons de la restauration, during this year that we are talking about restoration, l'Éternel nous appelle aussi à la repentance. The Lord calls us into repentance. L'Éternel nous appelle au changement d'habitude et de caractère et de comportement. The Lord calls us into the change of our behavior, of our ways. L'Éternel nous appelle à adopter une vie sainte, une vie qui glorifie son nom. The Lord calls us to adopt a lifestyle that's holy, a lifestyle that gives glory to his name. Afin que lui puisse demeurer parmi nous. So that he can dwell among us. Afin que lui puisse nous visiter. So that he can visit us. Et que nous puissions bénéficier de sa promesse, de ses promesses ou encore de la destinée glorieuse qu'il a pour nous. So that we may benefit from his promises and the glorious destiny that he has for us. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. May the Lord bless his word. Nous allons nous lever là où nous sommes. We are going to stand up where we are. Pour prier, bien aimé. To pray, beloved. Amen, amen, amen. Amen. Oui, bien aimé. Yes, beloved. Nous avons parlé. We have spoken. De deux visitations divines. The two ways to activate a divine visitation. Aujourd'hui, le Seigneur nous a permis de partager comment est-ce que nous pouvons enlever l'obstacle à cette visitation. Today, the Lord has allowed us to speak on how to remove the obstacle to this visitation. Je voudrais que chacun de nous puisse élever sa voix et prier. I wanted each and every one of us to lift up our voice and to pray. Tu connais ta vie. You know your life. Tu connais ta maison. You know your home. Tu connais ta famille. You know your family. Tu connais le mal qu'il y a. You know the evil that exists. Aujourd'hui, l'Éternel nous dit. Today, the Lord tells us. Ces mal-là. That evil. C'est ce qui permet. Is what allows. C'est ce qui empêche plutôt. Is that what prevents. Qu'il puisse se manifester. That he can manifest himself. C'est ce qui empêche. It is what prevents. Que tu puisses vivre. For you to live. Ce qu'il t'a promis. What he has promised you. Il veut que tu te repentes. He wants you to repent. Il veut que tu reviennes à lui. He wants you to come back to him. C'est alors qu'il va te restaurer. That's when he's going to restore c'est you. C'est alors que tu vas activer la visitation divine. That's why you're going to activate the divine visitation. Et tu vas vivre encore sa gloire dans ta vie. And you will see his glory again in your life. Élève ta voix. Lift up your voice. Repent-toi pour toi-même. Repent for yourself. Repent-toi pour ta maison. Repent for your house. Repent-toi pour ta famille. Repent for your family. Parce que comme nous l'avons vu. Because as we saw. Disons les péchés même dans une famille. The sin in a family. Peut avoir un impact qui pourra même annuler la destinée de Dieu dans une génération. Can have an impact that will erase and cancel God's plan for an entire generation. Que Dieu pardonne nos enfants. May God forgive our children. Que Dieu pardonne nos maris. May God forgive our husbands. Que Dieu pardonne nos femmes. May God forgive our wives. Que Dieu pardonne nos membres de famille. May God forgive the members of que our family. Que Dieu pardonne notre église. May God forgive our church. Nous voulons réellement we want to really rentrer encore dans sa présence. Go back in the presence afin of de God. Bénéficier in order to benefit de son plan merveilleux from pour his nous. Marvelous plan for élevons us. Élevons nos voix et prions. Let's lift up our voices, let's pray. Oui, Seigneur, nous sommes là. Yes, Lord. Nous sommes là, Seigneur. Yes, Lord. Nous te disons, ô Dieu d'Israël, nous ne sommes pas justes et dignes de nous approcher de we toi. We are not righteous or worthy to come close to you. Mais, Seigneur, aujourd'hui, but today, Lord, tu nous as tendu cette main. You have reached out your hand to us. Tu nous as tendu cette main pour nous délivrer. You have reached out your hand to us to deliver pour nous sauver. To save us. En nous disant que la repentance est la clé. To tell, by telling us that repentance is the la key. Clé pour la restauration de nos vies. The key for the restoration of our la lives. Clé pour la restauration de nos familles. The key for the restoration of our family. La clé pour la restauration de nos projets. The key for the restoration of our projects. La clé pour la restauration de nos maisons. The key for the restoration of our la homes. Clé pour la restauration
restauration de cette église. The key for the restoration of this voilà church. Pourquoi nous venons nous répandre, Yahweh. That's why we come to pour ourselves to nous you, venons Lord. Nous repentir, oh Adonai. We come to repent, Lord. Pour te dire, to tell you, Seigneur, nous avons péché. Lord, we have sinned. Mais Seigneur, nous ne sommes pas dignes. But we are not worthy. Mais par ton amour, but by your love, par ta compassion, by your compassion. Accepte-nous encore. Accept us again, Lord. Nous nous dépouillons de tout ce qui était mal. We remove everything that was evil. Nous abandonnons tout ce qui n'honorait pas ton nom. We abandon everything that did not give honor to your name. Pour nous donner à toi. To give ourselves to you. Pour te donner la première place dans nos vies. To give you the first place in our lives. Toutes les fois que nous ne t'avons pas donné la première place. Every time that we did not give you the first place. Nous nous repentons pour cela. We repent for that. Toutes les fois que nous avons murmuré. Every time that we have rumored. Contre ta parole, ta volonté et tes serviteurs. Word against your will, against your word, against nous your nous répondons à cela. We repent, Lord. Toutes les fois que nous vivions dans les péchés. Every time that we've lived in sins. Dans les abominations. In abominations. Dans des mauvaises pratiques. In by evil practices. Nous répondons, Yahweh. We repent, Lord. Et nous décidons aujourd'hui. And we decide today, Lord. De ne plus revenir. To not go back. De ne plus rentrer dans ces mal. To not go back to this evil. De ne plus rentrer dans ces péchés. To not go back to these sins. Aidez-nous, Seigneur. Help us, Lord. De ton esprit, by the power of your Holy Spirit, de nous tenir debout, to stand up, de sortir de cet environnement, to come out of these environments, d'abandonner les mauvaises pratiques, to abandon evil practices, et de te donner nos vies, and to give you our lives, et que toi tu sois le maître de nos vies, et toi tu nous diriges, so that you may guide et toi tu nous guide, so that you may guide et toi tu nous orientes, so that you may guide afin us, que nous puissions bénéficier so benefit de ton plan merveilleux of your marvelous plan dans nos vies, in our lives, dans nos familles, in our families, dans nos dans notre église in our church, et dans toutes les nations, in all the nations, au nom de Jésus, in the name of Jesus, au nom de Jésus, in the name of Jesus, au nom de Jésus, in Jesus' name we pray. Nous t'avons prié et nous disons Amen. 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 Amen.